voté le 16 décembre 2017 hein, ou 16, où à ça? Dakar, à Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Et extradé, moi qui ai donné. Et extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, voilà. Vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. Voilà. C'est ça. Ah. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Hein? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi. Quand il y a 150 morts. Uh-huh. Et c'était ça? Des viols. C'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, oui, je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? C'est pas ça, ouais. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Hein? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Bord. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Voie. Oui. Et vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer? Ah. C'est ça. Maître, vous ne m'avez pas aidé. Si vous m'avez aidé, je l'ai donné. D'autres questions, maître? Mon commandant, il ressort de tout ce que je viens de dire que vous avez agi de concert avec Begré, qui était votre arrière-plan. Dans ce massacre au stade, que répondez-vous? Non, ce n'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Moi, mon programme est connu, j'ai défini ça ici. D'accord. Bon, ensuite, un autre accusé, M. Blaise Goumou, déclare que, alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, un groupe de bérets rouges en pick-up serait passé en tirant, parmi lesquels il a pu reconnaître Aboubacar Diakité dit Toumba. Avez-vous une réponse à cela? Je vous ai expliqué ici. Oui. Par rapport au colonel Blaise. Oui. Je vous ai dit, j'explique les faits à ma connaissance. Même, je vous ai dit, physiquement, je ne pouvais pas le connaître. C'était dans le mouvement de Kaléa, moi, je les ai définis. Maintenant, je vous ai expliqué, non? Par rapport au stade, je vous ai dit, demandez-lui qu'est-ce qu'il cherchait là-bas, parce que c'est eux qui ont reçu ordre par son chef de venir là-bas. Moi, en amont, je l'ai dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a fait venir. Il dit qu'il était au stade. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, sous ordre de mon colonel Tchibouro? Alors, moi, il ne sait pas d'où je viens. Moi, j'ai expliqué clairement à la cour ici, qu'est-ce qui m'a quitté à la présidence, qu'est-ce qui m'a amené, comment je suis quitté du stade, avec qui, qu'il demande. J'ai même donné, c'est-à-dire, une assurance totale de demander les leaders qui étaient avec moi qu'ils vous disent non. En allant, on était avec un militaire dans le véhicule. Où il y avait un véhicule militaire derrière nous. Ils n'ont qu'à vous dire, c'est tout ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ici, les leaders dont j'ai cité les noms, ils n'ont qu'à venir dire. Il y avait, non, ils vont dire qu'il y avait un militaire dans son véhicule lorsqu'on partait. D'autres questions, maître? Voilà, moi je donne la garantie. Mon commandant. Oui, maître. Vous étiez le commandant, l'aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Le colonel Blaise Goumou, qui relevait, hein, je crois, des services spéciaux, venu pour le maintien d'ordre, pas pour tirer sur les manifestants comme vous l'avez fait, déclare que plusieurs pick-up remplis de bérets rouges, à la tête desquels se trouvait le commandant Toumba est entré au stade en tirant. Où est la question? Est-ce que cette affirmation ou cette déclaration de celui qui a vu n'est pas en contradiction avec celle que vous avez déclarée ici en disant que vous êtes parti au stade banalement avec Formo? Lui-même, il est concepteur. Comment lui peut m'accuser? Ah, voilà. Et
je vous ai parlé de Kalea. Quel était le but de Kalea? Quel était ce qui était chargé de Kalea? J'ai défini. Dont il faisait partie. Quels sont ceux qui ont livré? Qui se battait pour la mort ou la vie pour Dadis? Pour quelle cause? J'ai expliqué tout en évitant tout. Mais voilà, j'ai expliqué tout. Les leaders ont parlé ici, maître. Voilà, les leaders ont tous. J'ai expliqué. Maintenant, comment lui, ils se sont retrouvés le même jour, le soir, pour maintenant poser la question, quelle est la stratégie qu'il faut? Non, Toumba, tout le monde le connaît. Maintenant, c'est comme ça. On le sacrifie. C'était ça. Tout ce qui est monté là, ce n'est pas vrai. Hein? Mon colonel. Merci. Le commandant Blaise a vu beaucoup de pick-up remplis de bérets rouges. Mais il ne peut pas se tromper quand même sur vous. Mais j'ai expliqué. Il vous a vu. Attendez la question. Okay. Et c'est à votre rentrée directement que vous avez commencé à massacrer les civils à main nue qui exprimaient leur joie au stade. Que répondez-vous? C'est pas vrai. D'accord. Plus loin, il déclare qu'il aurait quitté les lieux en passant par l'Andrea pour rejoindre le camp Alpha Yaya. Hein? Et quand il vous a vu, hein? Lourdement armé, en venant au stade. Non, ça vous fait bien rire. Moi, je suis, c'est de ma nature. D'accord. Voilà, je suis comme ça. D'accord. C'est bien. Voilà. Quand vous êtes arrivé là-bas, lourdement armé, avec des tirs, parce que lui, il était présent, pas dans le stade, mais à la rentrée, il a quitté pour aller vers le camp Alpha Yaya. Et par la suite, il aurait été menacé par les bérets rouges de la garde présidentielle. Et ceci le reprochant d'être des lâches. Oui. Dites-moi, quels sont vos éléments de la garde? Personne ne parlait même à ceci-là. Et c'est direct, direct. Direct, c'est le président. Il n'y a même pas d'obstacle. Et ils n'ont pas de voix où passer. C'est direct, c'est le président. Toi, tu, quelqu'un les menace. Moi-même, je ne le connaissais pas, je l'ai dit. Même le jour, je l'ai trouvé auprès du président quand je suis venu le saluer. Pour toujours dire que vraiment, voilà, moi, je n'oublie pas. J'ai demandé, c'est qui ça? Blaise, j'ai dit, moi, je ne le connais pas. Mais j'explique les faits, parce que tout s'est passé sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est comme ça. Personne, ceci, ne sont empêchés. Djeboro, le groupe là, personne n'est empêché, monsieur le président. Ils ont absorbé le salon, je le répète. Ils ne respectaient personne, ils ne considéraient personne. Compte rendu direct du président de la République, exécution. C'est ça qui était là. Moi, j'étais écarté. C'est tout. Bien. Et ils ont voulu me sacrifier. Dieu n'a pas voulu. D'accord. C'est pour ça que vous demandez par où je suis passé. Mm-hmm. Puisque vous n'avez pas contribué, je suis ici. Je ne vous dis pas. D'accord. Entre parenthèses, mon commandant. Oui, maître. Est-ce que le pays était en état d'urgence ce jour-là ou en état de siège? C'est-à-dire tout le monde pouvait quand même comprendre le comportement du président quand même. Non, est-ce que ce jour-là, le pays était en état d'urgence ou en état de siège? Le pays, c'est trop dit. Bon, Conakry. C'est trop dit. Ah bon, Conakry. Non, moi je me préoccupe, comme je l'ai dit, de la protection physique du président avec la garde du salon. Mon commandant. C'est tout. Est-ce que Conakry était placé en état de siège ou en état d'urgence? Non. Le président n'a pas décrété quand même. Voilà. Non. Vous n'aviez aucune raison d'aller au stade alors? Non. Maître, cessez de parler comme ça, banaliser comme ça. C'est pas ça. D'accord. Je vous explique. Oui. Je vous ai dit comment était le président. C'est bon, hein, la question, maître. Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Le pays n'était ni en état d'urgence. Ah ouais, d'accord. C'est ni en état de siège. Merci. Vous êtes d'accord avec moi que les institutions de la République n'étaient pas menacées? Ah.
Est-ce que les institutions de la République étaient menacées? Les institutions de la République? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi le président a pris le temps d'appeler la nuit les leaders politiques dans leur échange? Non, s'il n'y a pas urgence. Pourquoi il a appelé les leaders, il faut ça, il faut ça, il faut ça? D'accord. Donc, c'est qu'il a compris pourquoi il a prononcé le mot que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Voilà. C'est que les institutions sont selon lui. D'accord. C'est ça. Donc, ce n'est pas moi. Mon commandant. Moi, j'explique ce que j'ai constaté. Mon commandant. Pas ce qu'ils ont monté. D'accord. Ah. Un ministre de la République avait déjà été arrêté par les manifestants. Hein? Mais on a vu dans les autres pays quand même, non. Je parle Est-ce qu'un ministre avait été arrêté Est-ce qu'un ministre avait été arrêté? Je ne sais pas. Tiens. Est-ce qu'un groupe de militaires s'était déjà rendu à la RTG pour s'emparer du pouvoir? Moi, je ne réponds pas à cette question. D'accord. À l'époque, le président du CNT ou du CN, enfin, le président du Parlement, avait-il été arrêté? Je ne réponds pas. D'accord. Moi, c'est là. Le gouverneur de la ville de Conakry avait été arrêté? J'ai dit, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon commandant, un groupe de militaires avait déjà été arrêté? J'ai dit, je ne réponds pas à Très cette bien. Question. Mon commandant, il y avait des militaires en direction du camp Alpha Yaya pour aller s'attaquer au camp et vous arrêter. Moi, je ne vais pas vous enseigner sur ce mode-là. D'accord. Je ne vous donne pas, c'est pourquoi je ne vais pas communiquer. Il y a plusieurs formes. Ok. Répondez tout simplement. Bon, non. Mon commandant, non. Votre vie était en danger? Moi? Oui. Moi, je suis capitaine de mon âme. Votre vie était en danger ces jours-là? Je ne sais pas. D'accord. Mais je ne vois pas, alors qu'est-ce qui justifie? Ou qu'est-ce qui a justifié votre sortie pour le stade? Il a répondu à cette question plusieurs fois. C'est bon, hein? D'autres questions? Il n'y a plus de questions. On continue. Il n'y a plus de questions. D'accord. Mon commandant, vous connaissez Bienvenu Lama? Vous avez connu Bienvenu Lama? Non, si je le... C'est-à-dire, il n'y a pas fréquentation, je ne le connais pas. D'accord. Physiquement. Ok. Comme. Voilà. Vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu. Pourquoi maintenant ils ne viennent pas là? Non, il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas venir. Ah, d'accord. Pour l'intérêt national. D'accord. Pour l'histoire. D'accord. Voilà, il doit venir. Ok.